Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyoko et j'ai encore des choses pour vous donner le message de Dieu. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Ce message a pour thème « Sois une bonne terre ». Sois une bonne terre. Quand on va dans Marc 4, du verset 3 à 9, on nous dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Du genre, un homme est sorti et lui doit semer quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des graines. Et voici qu'il a jeté les graines. Mais un truc bizarre s'est passé après. Ce qu'on nous dit, c'est que ce sont des oiseaux qui sont venus manger ce qu'il a déposé en terre. Puis l'on nous dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. On nous dit qu'elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Là, c'est où? C'est dans un autre endroit où ces graines sont tombées aussi. Mais il y a encore eu un autre problème. Ça n'a pas donné. Parce que on nous dit qu'elle ne trouva pas un sol profond. On voit encore dans un autre cas. On nous dit, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Peut-être que vous êtes au courant. Peut-être que nous sommes bien informés. Peut-être que toi-même, tu l'as lu ça 20 fois. Tu connais ça même par cœur. Mais dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut même dire? A fait des graines, a fait des sols, ou encore a fait des terres, et nous allons sortir là pour semer. Ah, mes frères et sœurs, les choses sont simples. La graine elle correspond à quelque chose. C'est quoi la graine? La graine, on nous dit que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est donnée à tout le monde, à nous tous ici, comme aujourd'hui là-même. C'est un compagnon, tout son joie. C'est un cadre. Dieu nous laisse à côté. Quand il y a des problèmes, c'est là on voit qui a vraiment gardé la parole de Dieu. C'est face à des situations. On voit vraiment qui aime Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, si tu dis que tu aimes vraiment Dieu, tu feras tout pour garder sa parole. Ah, il faut écouter maman, il faut écouter papa. Tout ce que papa dit, tout ce que maman dit, il faut faire quoi? Il faut même garder. Il y a même certaines personnes qui disent, ah, moi maman m'a dit que personne ne pourra me tuer, aucune société ne pourra me tuer. Dieu que tu sois, tant qu'elle n'a pas donné l'autorisation. Et fou, les gens marchent comme ça. Ils sont même gonflés. Parce que maman a parlé.
Et eux, ils sont, ces personnes-là, elles sont sûres que c'est ça. Parce que c'est maman qui m'a mise au monde. Tout ce qu'elle va dire sur moi comme bénédiction, ça va marcher. Et ces gens-là, ils disent quoi? Parce que c'est quoi? C'est la parole. Il y a une puissance dedans. Celui qui croit, il reçoit. Si tu penses que c'est la blague, c'est toi qui t'amuses avec ta fille, ça va venir comme ça, ça va te frôler. C'est comme l'ange qui doit te bénir, là, il vient comme ça. Toi, tu n'es pas prêt, tu n'es pas sérieux, tu es distrait. Lui, il ne sent pas. Chenot dit, avant de même traverser la route, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, regarde à gauche et à droite. Qui a dit ça? Qui a dit? Parfois, même personne ne sait qui a dit. Mais c'est un truc qui est devenu naturel. Ah, avant de sauter, il faut mettre à gauche et à droite. C'est une parole qui a été prononcée. Et bizarrement, toi, tu as mis ça dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as ton intérêt dedans. Tu sais que si tu ne regardes pas à gauche et tu ne fais même pas attention de regarder à droite, si une voiture arrive là, qu'est-ce qui va se passer? Accident. Et toi, tu n'as pas envie de mourir, non? Personne n'a envie de mourir. Donc, que tu veux ou pas, tu vas quand même mettre dans cette parole dans ton cœur. Ça va marcher même avec toi. Ça fait même partie de toi, de ton comportement. Mais tout ce soir que vraiment, tu as gardé ça. Même quand tu marcheras les gens, tout le monde marche tranquillement, toi tu es en train de faire comme ça. Tu vas à gauche, tu vas à droite. On dit, mais ma soeur, il y a quoi? Non, on m'a dit. Qui t'a dit? C'est que si on m'a dit qu'avant de traverser, il faut juste regarder à gauche et à droite. C'est devenu un comportement pour toi. Et ça te sauve la vie tous les jours de ta vie. Ça veut dire que là, le fait que tu aies mis ça dans ton cœur et que tu aies même bien gardé ça en toi, Dieu te considère comme ça, comme une bonne terre. Et ça produit du fruit. Parce que jusqu'à là même, tu es encore en vie. Donc la parole qu'on t'a donnée là, ça t'a même arrangé. Ça t'a arrangé, non? Ça t'arrange à 100%. Aujourd'hui, tout le monde regarde à gauche et à droite. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que sa parole demeure en nous. De sorte que ça devienne comme ça, comme un comportement pour notre propre bien. Ça va t'arranger devant ta vie sur la terre ici et ça va aussi t'arranger après, c'est-à-dire lorsque tu ne seras plus de ce monde. Et dans toutes les situations, ça va vraiment t'aider. Est-ce que vous comprenez même ce que nous sommes dit? Est-ce que vous comprenez ça? La parole de Dieu que nous lisons chaque jour là, ressemble à cette affaire de regarder à gauche et à droite avant de traverser. Celui qui garde ça dans son cœur, qui connaît la parole de Dieu, ne va pas venir tromper cette personne facilement. Parce qu'effectivement, le diable, il existe. Et il a des prophètes, des gens qui prêchent pour lui. Même dans l'industrie de la musique, le truc est simple. Un exemple simple, ça a l'air d'être comme un jeu. Il y a eu un problème ici. Vous avez dit quel problème? Bon, il y a une star de la musique ici qui a commencé à chanter une chanson qu'il a intitulée Awoko. Ah! C'est ça, elle a chanté une chanson qui s'appelle Awoko. Tout le monde se levait en même temps. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu appelles la chanson comme ça? Pourquoi tu danses comme ça? Parce que les enfants ont commencé à se déshabiller pour faire des trucs bizarres. Ah! Les parents ont voulu qu'on chante cela. Parce que cet homme-là a prêché quoi? Un mauvais message. La parole n'était pas bonne. Parce que les enfants ont pensé à mettre dans leur cœur.
et faire du n'importe quoi. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand tu as la parole de Dieu en toi, ça va, la parole de Dieu se manifeste comme ça. Ça t'aide à savoir dans quoi même tu es, qu'est-ce qui se passe devant toi, afin que tu puisses rejeter le mal, rejeter tout ce qui fera opposition. Il y a même une personne qui est aux États-Unis là-bas. Cette personne-là, elle fait du rejet du christianisme un véritable business. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette personne-là, elle chante et elle parle mal de Jésus. Jésus est comme ci, Jésus est barbu, Jésus est vilain. Et les jeunes gens aussi suivent cette star-là. Et cette star-là dit que moi, je vais m'arranger à ce que sur la terre ici, on ne parle plus du nom de Jésus. Ça, c'est ma mission. Tant qu'on continue à parler de Jésus ici, moi, je ne serai pas en paix. Hé! Qu'est-ce qui n'a pas avec toi? Mais qui parle au juste? Mes frères et sœurs, l'homme est composé de trois éléments, non? Le corps, l'âme et l'esprit. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il y a même un problème chez lui. Il y a quelque chose qui s'est passé, personne ne sait. Et c'est même clair. C'est même clair. Là, c'est le diable qui parle au travers de cette personne. Maintenant, nous te disons ce que tu dois avoir. Dans ces temps mauvais où chacun se lève pour dire tout et n'importe quoi pour égarer les âmes des gens. Toi, tu dois avoir la vraie parole de Dieu. Il dit la vraie parole de Dieu, la vraie connaissance que tu dois avoir pour résister à de telles choses. Imagine. Au lieu de regarder à gauche et à droite, au lieu de traverser, tout le monde le fait. Et toi, ta camarade, pendant que tu cherches à regarder à gauche et à droite, elle te dit, écoute, on est fatigué d'écouter ça. On a trop parlé de ça ici. Écoute, traversons la route. Tu veux même vivre, t'asseoir sur la route, mon gars, va. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu vas l'écouter? Toi, tu sais la vérité. Tu sais maintenant la vérité. Personne ne peut te tromper. Toi, tu sais que si tu traverses, il va y avoir un accident. Et elle te dit, viens, il faut traverser tranquillement. C'est exactement ce qui se passe dans la vie des gens. La parole de Dieu est là. Et les camarades sont là en train de dire, ah, écoute, on a tout parlé de ça à l'église, tout ce qu'on dit là sur les histoires, il ne faut pas écouter. Maintenant, toi aussi, tu es là, tu regardes les camarades, ah, ce que tu dis aussi, c'est vrai, allons voir quelqu'un qui va nous aider. Quand tu t'écartes de là, tu réagis comme une personne qui veut traverser la route sans regarder à gauche et à droite. Après, c'est pour se plaindre, pour dire, les gens n'ont pas longue vie. Tu vas avoir longue vie. Qu'est-ce que Dieu lui-même te dit dans sa parole? Respecte ton père et ta mère. Tout est là, ici, dans la parole de Dieu. Toi, tu dois lire. Même enseigner les enfants selon la parole de Dieu pour ne plus qu'ils s'égarent. Pour ne plus qu'en écoutant les chansons comme ça, où on parle mal de Jésus. Même dans les films, aujourd'hui, vous allez voir. Dans les films, les gens passent leur temps à parler mal de Jésus. Même vous voyez les films de 19h, tout le monde coupe à aller regarder. Ah, ma soeur, qu'est-ce qui n'est pas avec toi? Tu coupes à aller regarder un film où on monte une statue, les gens se procède devant la statue qui a plusieurs parts. Toi, ça ne te dit rien. Il y a un problème. Nous devons nous réveiller aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que vous allez commencer à connaître, à apprendre, à mettre en pratique la parole de Dieu comme l'exemple que nous avons donné. C'est simple, mais c'est extraordinaire. Merci d'avoir écouté. Que Dieu bénisse. J'étais sous l'emprise de l'alcool. Allez dans la joie. Que cette parole vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Comme vous le voyez, il vient de terminer une prédication. Voilà, dans une église, c'était extraordinaire. Maintenant, je retourne. Voilà. Voilà, je fais ça ici souvent, c'est une première. Bon, vous savez, tous les lundis, bon, souvent, Dieu nous connaît de faire des trucs extraordinaires. C'est parce que personne ne sait, c'est ça. Bien. Ok, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez tous prêts, ça va vraiment être hors du commun. Regardez même ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Donc c'était cela sur moi depuis longtemps, depuis que vous ne m'avez pas dit. Ok, abonnez-vous à la prochaine vidéo. Soyez prêts, mon frère. Que Dieu vous bénisse.